Dans la province du Moyen-Ogoué, direction Lambaréné, dans le Moyen-Ogoué, à l'hôpital Albert Choiset, pour évoquer cette caravane d'ophtalmologie organisée par la fondation de cette structure sanitaire avec l'appui du ministère de la Santé. Yves Malik pour les précisions. En dépit des quelques atermoiements, la caravane d'ophtalmologie a bel et bien démarré ce matin. L'hôpital Albert Schweitzer a été pris d'assaut par des populations venues de la province tout entière et ses environs pour espérer se faire consulter. Des populations qui d'ailleurs saluent cette initiative. De toutes les caravanes qui ont précédé ici à Schweitzer, c'est la première caravane qui s'est bien passée. Nous avons eu des bonnes paires de lunettes. Cette caravane qui a eu la visite du gouverneur de province et du délégué spécial est le fruit d'un précieux partenariat à nouveau entre la fondation du docteur Albert Schweitzer et l'association Iris Mondiale. Un partenariat que nous inaugurons aujourd'hui, c'est une ONG qui s'occupe uniquement des soins des yeux. Ça fait du bien, hein. Je pense que nos professionnels, nos bénévoles canadiens, il y a des ophtalmologues, des optométristes, des opticiens, ça leur change de leur routine au Canada. Et plusieurs bénévoles canadiens arrivaient la veille, consultent à cœur joie avec à la clé distribution des lunettes dont les montures sont élaborées sur place. L'engouement suscité par cette activité démontre tout un intérêt des autorités sanitaires à réfléchir sur la disponibilité des équipements adaptés ainsi que d'un capital humain fourni. C'est de faire en sorte que nous puissions avoir une cellule d'ophtalmologie au niveau de l'hôpital Albert Schweitzer et au niveau de la région, parce que c'est quelque chose qui nous manque. Praticiens et patients nous assurent d'un bon déroulement des opérations. On essaye de faire autant qu'on peut. On voit dans notre section, on voit les maladies oculaires. Il y a d'autres sections qui font des lunettes. C'est ce genre d'acte que nous voudrions perpétuer et aussi essayer d'aller plus loin dans la coopération, parce que c'est quand même entre deux États, il faut le souligner. Clap de fin ce dimanche 28 janvier 2024.